Hey, c'est tout le monde, c'est quoi moi le Gus et bienvenue sur Pro Cycling Manager 2015 pour la carrière suivie Team Arkham Pro, Team Aeroflot. Nous sommes le 26 septembre 2007 et aujourd'hui ce sera le tour du Gévaudan Languedoc Roussillon avec deux belles étapes. Une étape de montagne, la voici qui finit à Praperol, on sait pas. Et enfin, une étape de vallon, on va les dire de vallon, mais bon voilà, il y a quand même, ça finit quasiment en sprint, hein, on va dire. Mon équipe, la voici, la voilou, sauf que ça n'a pas enregistré. Si, c'est enregistré. Oui, sauf que, du coup, on va peut-être prendre Fellini. Fabio Fellini, on va le prendre. On va prendre Boissanagel. On va virer Pizza, Spila, qui n'était pas super en forme. On va virer Spilak et Pizzaballa, voilà. Pour l'étape finale du sprint, voilà, comme ça on aura quand même de quoi emmener. Voilà, sur ce, rendez-vous sur les routes françaises entre Charnac et Mont-Aigoual. Le tour du Gévaudan, Languedoc Roussillon, c'est parti, let's go. Il reste 18 km sur cette première étape du tour du Gévaudan, et vous le voyez, eh bien oui. Ben Hout est devant, tranquille, 6 minutes, enfin 5 minutes 30 d'avance. Il n'y a personne en particulier là dans... Il y a Chavez, hein, tout le monde qui est là, d'accord, mais... On va dire qu'il y a quand même pas non plus énormément de monde. Mais bon, il va falloir se méfier tout de même, hein. Voilà, il va falloir être imprudent, il va falloir faire tranquille. Ouais, pas de leader dans ce tour, hein. Tout le monde va jouer sa chance, tout le monde va jouer sa carte personnelle. Voilà. Tout le monde va rouler, voilà, Kradok, Czerneski, tout le monde. Même si on voit que la forme des coureurs n'est pas au top, hein. Vous le voyez là quand même, c'est assez violent tout ça. On a souffert là sur le plat, on a beaucoup souffert, ils ont roulé comme des tarés les Movistar. Pour Chavez, hein, bien entendu. Et du coup, voilà, la barre jaune a pas mal dégusté. Maintenant, bon, on a quand même des gros coureurs, mais voilà, malheureusement, je crains qu'on se fasse avoir sur ce tour de Gévaudan tout de même. Hein. Ah oui, oui, c'est pas vrai, c'est le tour de Gévaudan, hein. C'est pas le Tour de France, c'est pas la Vuelta, ni rien, mais là, les mecs sont motivés, là. Benoît a quand même une petite avance, hein. Benoît, ouais, il a quand même 3 minutes 46 avance, à 10 bornes de la fin. Il n'accélère pas trop, hein, Benoît encore, il a encore de l'énergie devant lui. Vous voyez, comme 4 minutes d'avance. Là, c'est serein quand même, hein, Benoît, là, voilà, il n'y a pas trop de problème. Voilà, c'est même nous qui roulons maintenant, on ne roule plus, hop là. C'est bon les gars, on ne roule plus. Voilà, ça roule plus, ok, bah d'accord, les mecs ils ont pas envie de chercher Benoît, ou ils ne peuvent pas, tout simplement, attention, je ne sais pas. Voilà, ça attaque là, mais voilà, au lieu de rouler, ça attaque tranquille, nous bah, on va pas le rouler contre Benoît, hein, bien sûr, hein, aucun intérêt. On va pas non plus faire n'importe quoi. Voilà, on ne bloque pas, non, mais là, on est tranquille, c'est tout, hein. Voilà, ça ne roule plus, et bah Benoît va remporter ce tour du Gévaudan. Que voulez-vous que je dise de plus? Là, il n'y a rien à dire de plus. Là, Benoît va remporter son Gévaudan allègrement, tranquillement, j'ai envie de vous dire. Elle va augmenter un peu l'effort. Il n'en sera plus qu'une étape de sprint après. Hein. Donc, bon, voilà. C'est un mini critère international dans le sens où il n'y a pas le contre-la-montre. Tout simplement. Allez, 8,5 km pour nous, 6 km pour Benoît. Et ça attaque, ou ça accélère, je ne sais pas. Mais non, Chavez, voilà, c'est Chavez, je le savais bien. Ça ne sert à rien, nous contrôlons la course tranquille. 6 minutes d'avance, bon, c'est une chose difficile encore une fois. Hein, mais c'est juste que, bah voilà, c'est une petite course. Je pensais qu'ils allaient revenir, et c'est revenu à 3 minutes et quelques. Mais non, au final, non. Bon, bah écoutez. On va pas se plaindre, hein, tranquille pour Benoît. Il aura une victoire sélective, une victoire, voilà, pas, j'allais dire d'envergure, non, pas d'envergure justement, avec ce tour de Gévaudan, c'est pas non plus la grosse course du siècle, mais bon, encore une fois, ça fait une victoire, et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Ouais, 5 km encore. Allez, on va même se payer le luxe d'attaquer.
et de sprinter dans la petite bosse. Bien joué, Benoît. Yeah. Allez, c'est là pour sa victoire. 7 minutes d'avance pour Benoît, tranquille. Tranquille, 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 là, franchement. Et on pourrait presque me faire 1, 2, 3, 4, hein, ça se trouve. Hein. Alors que ma chienne rigole, je ne sais pas pourquoi, mais elle rigole. Elle a le droit de rigoler. Non, mais... Non, on va pas le... Voilà, on va rouler juste maintenant pour faire un écart avec notre équipe. Voilà, boss on a gagné là aussi. Et on va sprinter. Allez, on attaque et on va sprinter. Oui, alors toute équipe attaque et sprint. C'est magnifique. C'est beau. C'est superbe. C'est génial. C'est grandiose. C'est beau, hein. Là, franchement, le tour du Gévaudan, magnifique. Ah, il y a quand même... Non. 1, 2, 3, 4... Ah si, il est en train de sécher, Guo est là quand même, Pierre, bien joué. 1, 2, 3, 4, 6, 7, super. Et 10, magnifique. Une course super intéressante. Donc j'y peux rien, c'est tour du Gévaudan, c'est comme ça, je ne choisis pas qui est sur la course ou non. Hein. Après, certes, c'est 2.1, donc je me souviens bien qu'il n'y aurait pas les Froome, Quintana, tout ça. Mais quand c'est la fin de saison, je me suis dit, on sait jamais, quoi. Il pourrait mettre des gros coureurs, comme quelques-uns, quoi. Il y aura peut-être plus, il y aura certainement plus d'adversaires sur le chrono, sur le sprint. Maillot jaune, maillot vert et maillot à poids. Superbe. Meilleur jeune, bien sûr. Et par équipe, je pense que c'est nous. Hein. Je pense. Hein. Pour notre séché deuxième, ça fera plaisir, il t'a peur. Voilà, bon bah écoutez, il n'y a rien à dire. Rendez-vous tout de suite sur la deuxième étape, vallonné et qui finit en sprint. Je vous retrouve donc tout de suite sur ce tour du Gévaudan, hyper, hyper, trop passionnant. A tout de suite. 20 km de l'arrivée sur cette deuxième et dernière étape entre Mende et Mende. Alors, que se passe-t-il de beau? Bah voilà, Féliné et Benoît ne roulent pas, toute l'équipe roule à part eux. Hop, il y a échappé devant, et oui, oui, ils sont partis là avec Vichot. Arthur Vichot, oui, ils sont partis tous les deux ensemble. Allez, nous on roule en tout cas, Chavez aussi apparemment. Non, c'est pas, c'est Mallory qui roule, ok, c'est pas Chavez. D'accord, d'accord. Alors vous allez me dire, oui, mais quoi, oui, d'accord, oui, je sais, bon, ok. On va garder Chernesky, hein. On va le garder pour emmener le sprint. Car on a quand même besoin de quelqu'un pour emmener Benoît et Féliné. Là, Benoît et Féliné, là, qui souffrent un tout petit peu, là. Hop. On va augmenter un peu l'effort. Enfin, l'effort. Oui, c'est l'effort. Donc, Mathias part tout seul. Là, on ne craint absolument rien au niveau du classement général, bien sûr. Hein. On ne craint absolument rien. Ça, c'est sûr. Donc, on ne roule plus. On va attendre maintenant, voir. Voilà, ces mecs veulent rouler, ils roulent. S'ils ne veulent pas rouler, ils ne roulent pas. Nous sommes 23 en tout cas. Féliné va suivre Benoît, qui va suivre Chernesky. Ouais. Et Chernesky va suivre Mathias. Allez. Mathias, t'as l'air d'avoir envie de rouler, bah tu roules. Allez, c'est parti. Il faut attraper Arthur Vichot. Hein, Vichot, 2 minutes d'avance, c'est même presque perdu, j'ai envie de dire. Allez, 10 bornes. Ouais, 10 bornes pour 2 minutes, ça va être dur. Ça va être très dur. C'est pas encore perdu, mais ça va être dur. Alors, on roule fort là. On roule très très fort là. Merde, ouh, excusez-moi. Hop. Il y a Van Der Poel qui est présent. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais il y a Van Der Poel qui est présent. Et attention, plus qu'une minute d'avance là pour Arthur Vichot. Une minute à 3 bornes de l'arrivée. Voilà, ça va être compliqué pour Arthur Vichot là, du coup. Allez, c'est parti pour Chernesky. Voilà.
Ouais, Vanderpool, je ne sais pas. C'est parti pour Benoît qui va envoyer Fellini sur orbite. À moins qu'on lui offre la victoire, non. Quoique. Ouais, allez, on offre la victoire à Benoît. Il le mérite. Hop là, voilà. On va offrir la victoire à Benoît, le champion belge, le champion. Voilà. Il est content. Fellini aussi. Voilà, Benoît qui remporte la deuxième victoire d'étape. Fellini qui va célébrer normalement si j'ai bien fait les choses. Hein, si célèbre ou pas. Est-ce qu'il célèbre? Oui, il célèbre. Voilà. Il est content. Bah oui, Free, bah oui, 3. Et voilà. Tout va bien. Voilà, Team Arkham Pro. On a archi, archi dominé. Avec Radoc. Fais le sprint. Non, tu fais pas. Benoît Fellini, Chaneski, Nerz, Van der Poel 5ème, Pirazzi, Vichot, Gouault, Lafaille et Van Aert. Yael Van Aert. Il était à présent. Voilà, c'était donc le tour du jeu Vaudan. Victoire facile de Tamakin Pro. Encore une fois, bon, certes, le mérite est moindre dans le sens où il n'y avait pas grand monde. Je suis d'accord avec vous. Voilà, non, mais je suis content quand même. Ça reste des victoires, hein, c'est cool. Mais voilà, après, il faut relativiser bien, je sais. Voilà, Benoît, donc vainqueur. Assez allègrement. Ils nous ont. Ok, super. Meilleur, meilleur vert, bien sûr, avec deux victoires, c'est logique. Meilleur grimpeur, Benoît aussi. Meilleur jeune, Benoît, et par équipe 5. Un petit marque un pro, voilà. Donc, c'est une vidéo un peu voilà, pour vous dire que bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ça sera pas la même chose la prochaine fois dans les championnats du monde. Et les voici, les championnats du monde. À Richmond, hein, malheureusement, je sais pas si je vais changer ou pas d'ici là. Je ne sais pas, en tout cas, pour l'instant, moi, je vous laisse là. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Alors que faire un de retour pour les champions du monde, c'est parfait. 6 millions, ben cool, ça rapporte tout ça en tout cas. Voilà, sur ce, rendez-vous pour les champions du monde demain. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Pro Cycling Manager 15. Ciao, ciao tout le monde.